Avant que CONCACAF t'ait créé en 1961, t'as gagné deux instances qui t'étaient chargées pour organiser le football dans la zone. C'était la Confédération Centra-Américaine et Caraïbéenne de football, qui c'était CCCF, les mêmes t'étaient fondées en 1938, qui étaient composées par des pays de l'Amérique centrale et la plupart des Caraïbes. Lorsqu'on dit pays de l'Amérique centrale, nous voulons parler de Guatemala, Panama, Honduras, Salvador et l'autre toujours. Là, on a parlé de Caraïbes, on a parlé de la Grande et la Petite Antille. Donc, Haïti, il était fait partie de la Caraïbe. Donc, il était dans la Confédération centra-américaine et Caraïbe. Et puis, il y a également la Confédération nord-américaine de football, qui c'est la NAFC, qui est même créée en 1946. Donc, il était composé par des pays de l'Amérique du Nord. Je vais parler de États-Unis, Mexique et le Canada. Ta confédération, ça a été organisée propre compétition PAYO. Pour Confédération Centra-Américaine et Caraïbéenne de football, donc c'était la Coupe CCCF. Et puis, on a eu le Championnat Nord-Américain des Nations. Eh bien, la Confédération Centra-Américaine et Caraïbéenne de football, lui, était organisée 10 championnats sortis 1941 à 1961. Donc, pendant période ça, c'était la Costa Rica qui lui-même t'a remporté cette compétition. En 1941, 1946, 1948, 1953, 1955, 1960, 1961. Ou t'a rejoint le Salvador qui t'a remporté édition 1943 et Panama 1951 et Haïti, mesdames, messieurs, en 1957. Poil inscrit dans la prestigieuse compétition SILA. Maintenant, arrivé en 1961, mesdames, messieurs, t'as pas gagné une fusion entre la Confédération nord-américaine de football et la Confédération centra-américaine et caraïbéenne de football qui t'a pas abouti avec une seule confédération qui c'est la CONCACAF. Bien, c'est juste après 2 ans. Cela veut dire en 1963 que la CONCACAF t'a organisé première compétition li qui t'a pral fait dans le pays Salvador. Sorti 1963 pour arriver 1989, eh bien, compétition ça t'a pral relé championnat de la CONCACAF. En 1963, il y a 9 équipes qui participaient. 1965 à 1981, il y a 6 équipes qui participaient. En 1985, il y a 9 équipes qui participaient. En 1989, il y a 5 équipes qui participaient. De 91 à 1993, lorsque le championnat ça lui-même est passé de championnat de la CONCACAF à Gold Cup, il y a 8 équipes qui participaient. En 1996, il y a 9 équipes qui ont participé. En 1998, il y a 10 équipes qui ont participé. Il y a 12 équipes qui participaient de 2000 à 2017. Et de 2017 à 2019, il y a 16 équipes qui ont participé, mesdames, messieurs. Sorti 1963 pour arriver 1989, gagné 10 éditions qui organisaient. En 1963, Costa Rica remporté première édition. En 1965, Mexique remporté deuxième. En 1967, Guatemala remporté troisième. En Costa Rica remporté quatrième. En 1969, en 1971, Mexique remporté donc cinquième édition. En 6e édition en 1973, Haïti remporté. Mexique remporté 7e édition en 1977. Honduras remporté 8e édition en 1981. Canada remporté 9e édition en 1985. Costa Rica remporté 10e édition en 1989. Maintenant, on fait un retourné. Sous titre ça que Haïti l'a remporté en 1973 sous régime Duvalier dans le Stade Vieux-Quator à Port-au-Prince, côté que 6 équipes participaient dans la compétition ça là-dedans, Haïti. Donc Haïti l'était tout qualifié pour la Coupe du Monde
1974. C'était 6e édition Coupe des Nations de la CONCACAF, organisée en Haïti à Port-au-Prince avec la participation de 6 équipes sorties le 29 novembre pour arriver 13 décembre. Le Mexique, Trinidad, Guatemala, Honduras, Antilles-Néerlandaises. Donc, c'était 5 pays saillants mêlés avec Haïti qui était présent dans la capitale haïtienne Port-au-Prince pour jouer la 6e édition de la CONCACAF des Nations. Donc, Haïti a joué le premier match contre Antilles-Néerlandaises. Côté que l'été dominé 3 goals à 0 avec un doublé, mesdames, messieurs, de l'inévitable Emmanuel Sanon. Et si d'après le continuer sous même lancéant contre Honduras 1-0 avec un goal de Guy Saint-Ville. Troisième match Haïti contre Trinidad. Haïti bat 2 goals à 1 avec un goal de Emmanuel Sanon et un goal de Guy Saint-Ville. Haïti d'après bat ensuite Guatemala 2 goals à 1 avec un doublé, mesdames, messieurs, de Emmanuel Sanon. Et dernier match, équipe haïtienne a joué, c'était contre le géant Mexique. Donc, Haïti était déjà champion depuis avant que l'été joué contre Mexicain. Et Haïti a tombé la Kaili contre Mexique 1-0 avec un goal de Bolja à la 29e minute de jeu. Donc, c'était David Steve qui lui-même était fini meilleur buteur compétition ça. Donc, je suis ici un Trinidadien. Donc, l'étape qu'elle marquait 7 goals. Grâce avec 4 victoires et une défaite, Haïti a remporté pour la première fois le championnat des nations de la CONCACAF. Donc, cette victoire a permis à l'équipe haïtienne de participer pour la première fois dans une phase finale de la Coupe du Monde. Raison, c'est parce que de 1973 à 1989, compétition elle était servie comme étant la qualification pour la Coupe du Monde. Donc, l'ESA, il t'apprend une seule équipe dans un an et Haïti, l'ITG Chance, participer comme étant seul représentant de la CONCACAF, malgré la présence de Mexique, malgré la présence de Canada, donc États-Unis, mesdames, messieurs, pas de quoi à faire monde du tout. Faut que nous dit, pendant décennie 70, là, Haïti, l'étape dominée football CONCACAF, là, parce que en 1969, c'est une virgule qui était séparée Haïti avec Mondial, là. Donc Haïti, t'as joué dernier match qualificatif, là, avec Salvador. Donc, c'était match aller-retour. Salvador carrément Levin bat Haïti dans le stade Julio 14. Et Haïti trouvait que ça c'est un dérespectant. Les aller à San Salvador. Donc, Haïti bat Salvador 3 goals à 0. Mais là, ça n'a pas gagné un dossier et goal à l'extérieur. Ni nombre de buts marqués. Toutes les fois que Mbatou ou Batouin, nous pourrions jouer un match d'appui. Et arrivé à Jamaïque, à Kingston. Donc, malheureusement pour l'équipe haïtienne, Salvador les bat Haïti 1-0 et mettait Haïti d'ailleurs dans la Coupe du Monde 70 là. Et 74, mesdames, messieurs, Duvalier rentré à l'équipe là, les mettait équipe là, les fermait équipe là, les baille nèg encadrement et 74. Bien bonnet, nous t'es dans le mondial. Sorti 1971, arrivé 2017, compétition passée de championnat de la CONCACAF à Gold Cup, côté que les nations de l'Amérique du Nord y ont qualifié d'office, tandis que les nations de l'Amérique centrale et de la Caraïbe y ont été passées par des phases qualificatives. Puis 2019, c'est la Ligue des Nations qui sert de la qualification pour donc, la Gold Cup de 1996 à 2005, il y a d'autres confédérations qui invitaient pour venir participer dans la Gold Cup. C'est le cas de Comebol
qui des fois jouent une invitation CONCACAF et ils ont invité des équipes en Asie tout. Donc c'est ça que fait, c'est Qatar qui invité 2021 et 2023 ça c'est Qatar encore qui invité et les présents dans le groupe que Haïti lui-même lié hein, accompagné de Mexique, Honduras. Donc voilà. Équipe Haïti en Ligue 1 et palmarès li dans compétition ça. Et puis le palmarès li c'est 2019 côté que nous t'ai fait demi-finale et puis 91 à 2017 nous pouvons jamais faire en finale ni nous pouvons remporter compétition ça tout. Je nous dis là c'est 2019 nous t'ai fait demi-finale contre le Mexique. Faut que nous dit c'est Mexique qui lui-même remporté plus titres dans compétition ça avec 11 que les remportés et les États-Unis, mesdames, messieurs, les venus en deuxième position avec 7 titres que les remportés. C'était vraiment une fierté pour nous avoir équipe haïtienne, les remporter. Eh bien, édition ça qui est pour le fait là, eh bien, pour la première fois sous format Gold Cup. Donc, nous dit Haïti, les remporter CONCACAF déjà en 73. Donc, là, ça, c'était le championnat des nations de la CONCACAF. Mais depuis 91, lorsque le championnat lui-même a li changé le passé de championnat de la CONCACAF à Gold Cup, Haïti l'a beaucoup remporté. Donc, Haïti l'a gagné et sous quand même, capable de dire, 6 participations. Haïti l'a participé pendant 5 fois. Si nous apprenons 2013, 2015, donc Haïti était là. 2017, Haïti était raté. 2019, Haïti était là. 2021, Haïti était là. Et 2023, ça, Haïti lui-même, lui, là. Donc, Haïti gagne une régularité ces derniers temps dans la participation, lui, dans la compétition, ça, qui c'est la plus grande compétition au niveau des nations de la CONCACAF. Donc, on prétend que ça, que Haïti lui-même, lui, va le poter à partir de 25 juin, qu'a venu là, contre la formation Qatar de football. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si que vous t'aimez la vidéo ça, vous capable laisser un like sur Patreon tout par les cils. Si vous avez une question pour poser, nous capable faire dans un commentaire. Si vous avez un choix à faire pour équiper ici, nous capable faire dans un commentaire. Si toutes les fois vous voulez encourager, nous capable partager vidéo ça pour plus de monde capable joindre puisque en plus monde t'aimer gagner des détails sous sa gain ouais avec Gold Cup. Bonsoir tout le monde. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.